Allez, bienvenue dans ce Débat Fac Marseille. C'est le Débat Fac du, euh, du mardi. C'est le petit rendez-vous qu'on a. Euh, C'est habituel. J'essaie de m'y tenir, en tout cas. J'essaie de m'y tenir. Euh, salut à Fred, euh, Melouman qui est là, Kit, Black Livia. Euh, merci d'être là. Euh, N'hésitez pas à préparer vos questions. Un grand merci à OMA à Fond euh, des. Oula, c'est très très long. OM à fond, je pense que ça suffit. Hein. Merci en tout cas pour ton abonnement. Euh, 18e mois d'abonnement, c'est la famille. Merci à toi en tout cas. Merci de nous donner de la force, comme disent les jeunes. Euh, voilà. Kit, j'aime bien. Tu rentres direct dans le sujet. C'était le premier thème que je voulais aborder avec vous. Euh, c'est les rumeurs. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a que des milieux de terrain à euh, l'OM. Déjà. Le mercato, c'est un peu loin. Euh, J'étais plus sur les latéraux moi à la base hein, quand même. Et là, on nous parle de, de, de plein de milieux de terrain. Alors effectivement, il y a la rumeur Arthur Melo, il y a la rumeur Paul Pogba. Bon, ça c'est Patrice Evra qui l'a lancé. Pour la rumeur Melo, c'est plutôt les, les médias italiens. Il y a quand même aussi. Il euh, euh, faut quand même se poser la question pourquoi autant de, de, de rumeurs autour de, de ce poste-là, alors que Rabiot vient d'arriver et n'a pas encore vraiment totalement débuté. Enfin, il a, il a été remplaçant deux fois. Il n'a pas encore débuté un match. On espère que ça sera le cas face à Montpellier après la, la fameuse trêve internationale. Il y a aussi la, la rumeur Reda euh, Belayan, euh, le joueur de Lelas Veron. Alors Elas ce c'est pas nos potes. Hein. Clairement, ce n'est pas nos potes. Euh, Maintenant, euh, c'est un joueur a priori qui a un profil intéressant, formé à Nice. Euh, le joueur se suivi depuis un petit moment, jeune joueur de 20 ans. Euh, c'est notre ami Hakim Zouri qui un des Lions de l'Atlas qui, qui avait relayé cette info, euh, bien pisté par l'OM, euh, mais ça fait déjà pas mal de moments que Benatia le, le surveille. Euh, Arthur, euh, bon, on avait vu l'histoire du, du, euh, du transfert un peu quand même euh, étonnant, on va dire. Pour rester correct, entre Barcelone et la Juve, euh, avec Pjanic d'un côté et Arthur de l'autre, avec des transferts estimés euh, à des montants euh, assez euh, faramineux, on parle de 80 millions d'euros quand même. Euh, ça c'est en 2020, hein, donc ça date un peu. Euh, maintenant, Arthur Melo, euh, il a 28 ans. Euh, bon, ben voilà, il, euh, il joue pas beaucoup euh, avec la Juve, pour pas dire pas du tout. Euh, c'est quand même étonnant aussi qu'on qu soit, euh, qu soit encore sur des milieux de terrain. J'ai l'impression qu'il y a d'autres priorités. Euh, Là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Arthur Mello, c'est un profil euh, qui vous intéresse euh, Je le rappelle, joueur de 28 ans, euh, milieu de terrain, euh, plutôt technique. Euh, Donc, euh, ouais, je n'ai même, même pas ses stats. Il n'a pas joué du tout en, en, euh, en 2024-2025. Euh, et l'année dernière, il avait quand même joué 33 matchs avec la Fiorentina. Donc, euh, voilà. Euh, après, il y a forcément euh, la fameuse rumeur. Euh, euh, Paul Pogba, c'est notre ami Evra qui a balancé ça en disant Ouais, ouais, je sais que ça peut être une possibilité. Il faut que j'en parle à, à notre ami Benatia. Euh, donc. Euh, Dites-moi ce que vous pensez de ces rumeurs-là. Moi, j'avoue que je suis un peu perplexe. Alors, je, je vois bien qu'il y a des gens qui se font, euh, qui se font des, milieux, des milieux de terrain. Tu as raison. Il y a Fred Guada qui, qui nous rajoute un milieu offensif avec la rumeur Moudric qui existait depuis un petit moment. Ça ressemble à des opportunités de marché, tout ça, quand même. Euh, mais en tout cas, pour rester sur le milieu de terrain défensif, euh, aujourd'hui, on a quand même Oibier, Condogbia, il y a Rabio qui vient d'arriver, il y a encore Rongier. Ils sont quatre pour pour deux postes. Là, on, moi, je, je reste Moi, je pense que Pogba, là, effectivement, ça a l'air de se diriger vers un, vers une résiliation avec la Juve, mais je le vois plutôt aller en MLS ou un truc comme ça. Enfin, il peut y avoir des surprises. Hein. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu étonnant de, de, de voir fleurir autant de rumeurs sur déjà j'en ai cité trois sur trois milieux de terrain défensifs. J'ai pas l'impression que c'est la priorité, à moins que notre ami Desherby soit déçu par l'animation. De ses milieux de terrain et, euh, et veut un autre, un autre style de milieu. Mais bon, euh, Rabio, il n'a pas encore commencé vraiment sa saison. Je pense que quand même, Rabio-Oybière, sur le papier, ça aura de, de la gueule. Euh, qui toi, tu dis, euh, venu de Pogba, ça veut dire qu'un milieu de notre côté va sauter euh, Ouais, après, on a vu aussi euh, la Provence qui évoquait le, le dossier euh, Rongier. Rongier qui, euh, qui a deux ans de contrat, donc n'en aura plus qu'un à la fin de la saison. Euh, qui enchaîne un petit peu les blessures, bon, une grosse blessure, là, il s'en est fait une plus petite, euh, il n'a pas encore vraiment lui aussi commencé sa saison, est-ce que ça va être un joueur important euh, pour Deserbi? Euh, c'est quand même un joueur qui a maintenant un bon gros salaire, euh, c'est des questions qui vont se poser, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes de, de, j'ai l'impression sur ce poste-là, est-ce que Kondogbia va rester aussi Parce que Kondogbia, même s'il joue beaucoup et qu'il a l'air d'avoir de, conquis Desherby, moi je reste frustré par le niveau de ce joueur je trouve que là, physiquement, il est bien mieux que la saison dernière. Dans les duels, il est là. Mais l'utilisation du ballon, c'est brouillon, c'est lent. Enfin, moi, je ne suis, suis pas fan de Kondogbia au milieu de terrain, ça c'est sûr. En défense, je ne sais pas. Mais en tout cas, au milieu de terrain, je ne suis pas fan. Euh... Bon après-midi, Gicto, bienvenue. Euh, président des Lapins, bien sûr, toujours là. Donc, moi, ma première question, c'était là-dessus. Ouais. C'était les milieux de terrain. Je m'interroge un peu sur, euh, sur ces rumeurs. Euh, je suis un peu étonné. Effectivement, est-ce qu'un Condogbia, est-ce qu'un est qu Rongier sont susceptibles de, de partir d'ici euh, peut-être l'été prochain euh, Fred, toi tu dis euh, peut-être que Harit et Condogbia euh, seraient sur le départ. C'est une possibilité. Hein, euh... Euh, même au mercato d'hiver, hein, j'ai envie de te dire. Euh, après, Kondo, bien là, il joue. Il, il... Le fait de jouer, de s'afficher, ça peut être aussi intéressant. Après, tu pas de Coupe d'Europe. Il euh, y a Kabs qui vient d'arriver, salut à toi. Kit, euh... tu dis, euh, Kondo m'a convaincu euh, un peu plus en défense qu'au milieu. Je suis d'accord avec toi. Euh, après, moi, ce qui me dérange un peu avec ça, c'est que tu as recruté Brassier. Quelque part, moi, j'ai bien envie d'essayer de, 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 de voir Brassier un peu plus. Euh, la, la défense de, de, je crois que c'est l'équipe qui citait cette, cette stat ce matin de mémoire, il disait que en sept matchs 7 défenses différentes. Entre les blessures, les, les suspensions, euh, du Cornelius, du Condogbia, du, du Merlin pas là, euh, Ballardi absent, euh, Murillo à gauche, Murillo à droite, etc. Il n'y a aucune constance. Aucune constance en termes défensifs. Et ça, ça, ça joue aussi sur la relance et sur le début de tes attaques. Donc c'est problématique. Euh, le retour de Merlin est attendu. Euh, mais j'ai bien envie, moi je, le, je sais que je le répète, hein, mais j'ai bien envie de, 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 de tenter quand même cette charnière euh, brassier-Ballardi. Euh, j'ai envie que ça s'installe et j'ai envie qu'elle qu se développe cette, cette, cette charnière euh, voilà donc effectivement si ça ne marche pas pourquoi pas euh, tenter Balerdi qu'on bien en défense mais euh, ça reste un peu euh, moi j'aimerais bien qu'on qu essaye un peu plus longtemps avec Brassier euh, Kit toi tu évoques une nouvelle rumeur non, on n'est pas en mercato mais déjà on a parlé de trois noms mieux de terrain plus Moudric milieu offensif effectivement à ce même poste il y a Keito Nakamura de Reims euh qui est annoncé euh, comme euh, un joueur qui plaît beaucoup à des euh, par un journaliste japonais euh, cependant ce dernier précise que lui euh, Nakamura il est plus tenté par, euh, par un départ euh, en première ligue maintenant euh, voilà joueur intéressant technique euh, moi j'aime bien son profil euh, toi qui tu, tu, tu sous-entends que est-ce que cette rumeur là euh, évoquerait un, un possible départ j'ai envie de dire tu as encore une place euh, en attaque euh, sachant que Rowe peut jouer euh, Peut jouer un peu à plusieurs postes, euh, ça peut. Euh, il peut y avoir encore une place, je n'en sais rien, mais euh, de toute façon, ça reste juste un intérêt. Il n'y a pas de, de contact avec les clubs, etc. C'est de la rumeur, c'est de, des joueurs surveillés, c'est ça, va pas beaucoup plus loin que ça. Euh, Caps, toi, tu dis les défenseurs centraux qu'on a, euh, je ne suis pas convaincu. Euh, après j'ai envie de te dire Balerdi il avait convaincu tout le monde la saison dernière euh, peut-être que tu fais partie des, des gens qui n'ont pas été convaincus par Ballardi la saison dernière moi personnellement j'étais convaincu et je le reste euh, je pense qu'il peut retrouver son niveau de la saison dernière c'est un joueur qui est en progression constante donc euh, ouais ouais je, je pense que, que Balerdi va faire du bien il faut, le, faut bien le remettre, il faut bien qu'il se remette dedans aussi donc euh, Brassier, c'est vrai qu'il a un début de saison compliqué, comme d'autres, comme Muay, euh, qui est aussi euh, pas au mieux. Donc, euh, à voir. Kit, euh, justement, en parlant d'attaque, tu me parles de euh, Matistel. Euh, N'est-il pas, euh, ah, pas atteignable Matistel n'était... Ah, Est-ce qu'il n'était pas atteignable plutôt qu'aller chercher Neil Mopé bah, Le truc hier, c'est que tu aurais peut-être, éventuellement, et même ça, j'en suis pas sûr, tenté un prêt. Mais euh, le Bayern, ils vont pas lâcher un hein, jeune joueur qui est en pleine évolution. Euh, non, ça c'est sûr, en transfert, c'était inatteignable. Parce que le Bayern ne veut pas le vendre. Euh, qui toi, tu me dis, Oroem, euh, est-ce qu'on peut souligner le bon début de saison que fait Elsner avec Reims On peut. On peut, je pense qu'on euh, en avait parlé d'ailleurs. Euh, très bon coach, euh, très bon tacticien. Et on peut souligner effectivement le, le bon travail d'Elsner avec Reims. Et c'est bien d'avoir des, des coachs dans ces clubs dits moyens. Euh, ça valorise ce genre de club et c'est une très bonne chose. Euh, il y avait un autre thème dont, dont je voulais parler. On a commencé un peu à l'aborder. La, hein. C'est le, le cas des défenseurs. Euh, de trouver cette stabilité un, un peu en, en défense. Euh, on attend avec impatience, je disais, le retour de Merlin. Donc retrouver un petit peu la défense Merlin, euh, Brassier, euh, Balardi avec Murillo, même si Murillo, j'ai des doutes quand même sur sa faculté à tenir ce poste-là toute l'année, toute la saison. Euh, J'espère qu'on va le revoir face à Montpellier, histoire de, de retravailler les automatismes. Peut-être un duo, un duo bière euh, rabio au milieu de terrain pour préparer le, P, le match face au PSG. En tout cas, l'OM va devoir réagir. Montpellier est une équipe en crise et ça sera intéressant d'essayer de, 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 de proposer un, un 11-type pour ce match. Euh, Montpellier sera suspendu, donc Boyi aura de nouveau sa chance face à Montpellier. Je pense que ça peut être symbolique, que ça soit peut-être un match déclic pour lui face à son ancien club. Voilà, voilà ce que je souhaite en tout cas euh, après cette trêve internationale. Euh, je sais pas pour vous, mais euh, j'en peux plus de cette trêve internationales. J'ai l'impression que on joue trois matchs et c'est une trêve internationale. C'est pas une impression vu qu'on joue pas les coupes d'Europe. C'est assez insupportable. Euh, DSK au repos, très 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 bon pseudo. Euh, on est devenu un club où, où on n'a plus aucun résultat sportif et la seule chose qui intéresse, c'est les transferts. Sur le terrain, aucun objectif à part euh, faire jouer les recrues, aucun résultat. Alors moi, je trouve que tu, tu vas un peu vite. Euh, je suis un peu déçu par le niveau de jeu proposé par l'OM en ce début de saison. Il n'y a eu que 7 matchs de jouer quand même, on peut, on peut le rappeler. Euh, pour autant, euh, je n'ai pas, envi pas envie de dire qu'il euh, qu n'y a aucun résultat. On verra ça à la fin de la saison. C'est vrai que ces dernières années, il n'y a pas de titre, ça, on peut être d'accord. Mais je pense que euh, Deserbi et euh, le staff, la direction sont très ambitieux cette saison. Euh, maintenant, il va falloir qu'on voit autre chose sur le terrain, autre chose en termes de caractère. Et euh, hier dans, dans, dans Débat Foot Marseille avec Ben, Jean-Charles et Raph, euh, le thème c'était là-dessus, c'était la nervosité aussi des joueurs. Quand on dit caractère, c'est pas gueuler sur l'arbitre. Le caractère, c'est savoir se secouer et marcher sur l'adversaire. C'est ce qu'on attend euh, un petit peu de, de cet OM. Et c'est vrai que là, on, a, on peut être déçu sur les deux derniers matchs. On a quand même vu des choses assez intéressantes en début de saison sur les premiers matchs. On voyait que c'était pas abouti, mais au moins sur le sur les fois où tu, tu es arrivé à combiner tu étais clinique, tu étais efficace devant donc ça, ça avait donné beaucoup de confiance je trouve que tu as perdu cette efficacité et N'arrive pas à mettre en place un jeu un peu léché en termes de relance, d'utilisation du ballon et euh, on sent que herbis s'agacent un petit peu. Euh, on espère que cette trêve va au moins permettre à, à Deserbi et à son, à son effectif de progresser sur le plan collectif. C'est vrai que moi je suis un peu déçu. Euh, je, ça ne veut, veut pas dire que ça va être nul toute la saison. C'est-à-dire que je trouve que ça prend beaucoup de temps et que je suis un peu déçu que ça n'ait pas pris plus vite. Euh, très intentionnel, tu as raison, il y en a trop. Ouais, il y en a trop. Puis c'est des matchs un peu, euh, dont on se tape. Euh, globalement, c'est des matchs un peu pourris. Euh, pff, moi, je ne comprends pas. Il faudrait peut-être essayer de... Je, je sais que je suis, je suis à contre-courant de ce que pense la FIFA. La FIFA veut faire plus de matchs, plus de compétitions pour apporter encore toujours et plus d'argent. Mais euh, je pense que le football euh, retrouverait un second souffle si au contraire on diminuait le nombre de matchs. Et que un match de l'équipe de France, par exemple, ça redevienne un petit peu un moment particulier. Là aujourd'hui, enfin, moi, c'est aussi parce que c'est des chants que j'aime pas le style de, de l'équipe, mais. Je m'en fous en fait, euh, franchement, de l'équipe de France, ça ne m'intéresse plus. Et je pense que s'il y avait moins de matchs avec un coach euh, qui proposait autre chose aussi, un sélectionneur plus, plus ambitieux, j'aurais envie de, de voir cette équipe de France. Je trouve qu'on banalise en fait les gros matchs et que du coup on a moins envie de les regarder. Enfin, moi c'est mon cas en tout cas, peut-être que je vieillis hein, aussi. Mais euh, ouais, je, je trouve qu'il y a une petite, euh, petite frustration. Euh, Caps, toi tu dis, est-ce que le problème, comme tu l'as souligné, ce n'est pas le manque de stabilité Et franchement, je ne suis pas convaincu par beaucoup de joueurs dans cette équipe. Alors, là, il y a deux questions en une, mais je pense qu'effectivement, le manque de stabilité, en tout cas en défense, c'est un argument euh, pour expliquer pourquoi Deserbi a du mal à mettre euh, en, en place son jeu. Clairement, euh, le joueur qui a le plus joué de match, c'est Brassier. Et Murillo, c'est les deux joueurs qui ont, qui ont peut-être joué tous les matchs de la saison pour l'instant. Balerdi a été plusieurs fois absent. Euh, Merlin aussi. Euh, C'était peut-être les deux meilleurs sur les quatre. Euh, donc ça, ça c'est un argument pour des herbiers. C'est sûr que je pense que si on retrouve un peu le, le quatuor qu'on avait en début de sur les, les, les premiers matchs. Les quelques premiers matchs, il n'y a que 7 matchs, je le rappelle, ça peut faire aussi du bien et ça peut permettre de développer une complicité. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui, individuellement, déçoivent. Moi, je suis déçu collectivement déjà. Je trouve que le, le, le jeu collectif met du temps à prendre. Alors, oui, il y a énormément de recrues. Euh, je le disais, face à, face à Angers, tu avais 6 recrues sur 11 sur le terrain. Dans les cinq joueurs qui étaient déjà là avant, il y en avait euh, deux qui étaient arrivés en janvier. Et euh, trois et, et, et qui, qui n'étaient pas titulaires la saison dernière. Donc, en fait, tu que deux titulaires sur 11 de la saison dernière. Et sur le banc, sur les cinq entrées, c'est 4 recrues et Harit. Donc, ça te montre quand même euh, le changement en profondeur de cet effectif. Et ça, clairement, ça prend un peu plus de temps pour, euh, pour trouver un collectif, faire bien évoluer euh, euh, tout ça. Donc, euh, ça, c'est un argument. Maintenant qu'il y a des joueurs qui sont décevants, on peut faire une liste. Hein. Euh, Waï est clairement décevant. Euh, et euh, Il est rentré tard euh, euh, avec Ange, face à Angers, il rentre à la fin du match, euh, il touche peut-être un ou deux ballons et on le sent sur sa prise de balle qu'il n'est pas en confiance. C'est peut-être la plus grosse déception pour l'instant. Brassier est décevant. Brassier j'en entends beaucoup plus, il a fait une énorme saison avec Brest, il a du mal pour l'instant à franchir le cap. Euh, après, tu as aussi des joueurs qui ont fait un bon début de saison et qui sont rentrés dans le pas. Euh, rentrer dans le pas oui, je, je mélange les expressions qui, euh, qui, sont, euh, qui, euh, qui sont revenus euh, rentrer dans le rang voilà c'était ça la bonne expression c'est mieux euh, je pense à Luis Enrique qui est quand même beaucoup moins performant depuis deux matchs même Greenwood qui euh, face à Angers je trouve qu'il a vraiment forcé il a voulu faire la différence tout seul euh, donc euh, oui, il y a des joueurs un peu moins bien Mourillo irrégulier euh, euh, Kondogbia, je trouve que sans le ballon ça va, mais avec le ballon c'est pas génial. Oubierre euh, veut, veut, veut faire beaucoup de choses, mais des fois il est un petit peu seul. Euh, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Euh, Zag, tu me dis surtout qu'on n'est pas bon, euh, on est quand même troisième. Ça, c'est quand même un point positif. Euh, hier, quand j'avais participé à l'élaboration du. Du programme pour la mission des Bafouts de Marseille, ce que je disais à Ben, il faut quand même mettre en avant le fait que hum, tu n'as pas vu un jeu collectif de dingue depuis le début de la saison. Tu as été très efficace sur les premiers matchs. Là, tu as marqué le pas en faisant un point sur deux matchs. face à des équipes euh, moyennes. As. Ben, je parle de danger surtout parce que oh, Strasbourg, c'est une équipe correcte. Euh, mais tu restes troisième de Ligue 1. Ça, c'est le point positif. C'est-à-dire que on sent que cette équipe, elle va progresser. Jusqu'où, je ne sais pas, mais on sent qu'elle va progresser. J'espère qu'il y a d'autres joueurs. Qui vont aussi progresser, les joueurs comme Moyet, etc. Et euh... Mais euh... tu es troisième. Et ça, c'est quand même vraiment positif. Fred, toi, tu dis, euh, s'il y a des rumeurs de Mercato Hivernal, alors euh, que peut-être peut que Roberto s'est trompé sur certains profils de joueurs. Ça, c'est possible, mais je pense qu'il faut quand même attendre avant de tirer des conclusions. Là, on peut dire qu'au bout de cette match. Le niveau proposé par des brassiers, des Wai, etc., c'est décevant. De là à dire que c'est une erreur de casting, euh, faut peut-être attendre. Euh, enfin, c'est pas, faut peut-être attendre. Il faut attendre pour moi. Il faut attendre. On pourra faire un premier vrai bilan en se disant ah ça ça, quand même, ça, ça coince à Noël. Si, si Wai il est toujours pareil à Noël et Brassier aussi, on pourra se dire ça va être dur pour eux. Là c'est le début aussi. Donc euh, moi je, je, je pense qu'il faut attendre clairement. Euh, Black Livia tu me dis qu'on euh, absent euh, longtemps euh, je pense qu'il va être absent euh, encore 2, 3, 4 semaines ça dépend de la, la, pour la, la réalité de sa blessure à la cheville je le disais la dernière fois pour m'être fait beaucoup blessure de blessures d'entorse à la cheville quand j'étais plus jeune et que je jouais au basket euh, ça peut aller de 3 à 5 semaines, 6 semaines donc euh, je pense qu'il sera peut-être en, en voie de recourir euh, un peu avant Paris, donc est-ce qu'il sera dans le groupe de Paris Je pense peut-être pas, mais dans ces eaux-là, ça n'a pas duré non plus lustres. Ce qui est chiant, c'est qu'il s'est fait cheville gauche, cheville droite. Enfin cheville droite, cheville gauche dans l'ordre. Euh, qui tu me dis, euh, est-ce que tu peux faire un point sur nos blessés euh, absents et suspendus euh, Oui. Euh, donc blessé, t'as Conné. Conné euh, qui est euh, qui est blessé à la cheville. Euh, suspendu, t'auras Mopé qui sera suspendu pour Montpellier. Maintenant, les autres blessés, ça devrait revenir. Euh, euh, bon, Rabio n'était pas blessé, mais Rabio euh, retrouve du, du rythme et devrait peut-être frêter sa première titularisation pardon, face à Montpellier. Euh, Merlin euh, a repris la course, donc Merlin devrait, euh, devrait reprendre l'entraînement collectif là, avant, euh, avant Montpellier et donc être dans le groupe face à Montpellier. Euh, Carboni euh, est opérationnel. Euh, Est-ce qu'il y a un autre blessé? Je ne crois pas. Euh... Maïté revient aussi. Maité revient aussi. Euh, même s'il n'a pas été utilisé par, par des herbis. Il devrait être disponible lui aussi face à Montpellier. Donc en fait, il manquera Coné euh, blessé à la cheville, et euh, notre ami euh, Mopé qui sera suspendu face à Montpellier. Euh, Black Livia, tu me dis, ça retarde la création d'un milieu Oibier, Rabio-Coné. Oui. Après, je suis pas sûr qu'il qu va jouer tout de suite comme ça, mais euh, déjà, commençant avec le milieu Oibier, Rabio, ça peut être sympa. Euh, après, on verra avec euh, Coné avec en, faux, en faux 10. Kit, toi, tu me dis, euh, est-ce que tu vois Ulysse Garcia faire le long feu euh, à l'OM bah, Je pense que finalement, il a réussi à démontrer qu'il pouvait euh, jouer les doublures. Est-ce que ça sera jusqu'à janvier Est-ce que ça sera jusqu'à juin Mais je ne le vois pas rester au-delà de cette saison. Je, je, c'est un joueur avec une bonne mentalité, qui peut, qui peut aider, mais qui pour moi reste insuffisant pour jouer l'homme. Mais voilà, tu vois quand même que d'avoir un, un spécialiste du poste, même si ce n'est pas un super joueur, c'est en doublure ça peut aider. Il ne faut pas que Merlin se pète trop non plus, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Euh, salut Atalos bienvenue euh... non Arthur n'est pas là pour négocier Arthur ça ressemble plutôt à un joueur qui ne joue pas et qui est un peu euh, qui a des agents qui sollicitent un peu de partout pour essayer de le refourguer mon avis c'est ça que ça, essaie, ça ressemble un petit peu à ça euh, DSK, tu me dis, il euh, n'y a aucune raison de faire de la rotation en Ligue 1. Euh, tant qu'on a un 11 qui fonctionne, il faut vite euh, un 11, quitte à laisser des potentiels sur le banc. La priorité, c'est les résultats. Je suis d'accord avec toi. Et ce 11-là, ça commence par euh, la défense, on en parlait tout à l'heure. Repartir sur une défense, installer Rabio au milieu. La question va se poser après devant euh, sur les postes de 10 et d'attaquant de, de pointe. Mais le reste, je pense que la l'attaquant, là, même si Ro euh, franchement. Il a le potentiel pour sortir euh, un Luis Enrique en ce moment. Euh, DSK, d'ailleurs, toi tu dis euh, Waïs viendra en, en, à force, faut insister. Ouais, alors est-ce qu'il faut insister en le mettant titulaire ou en remplaçant C'est la question qu'on peut se poser. Il sera titulaire face à Montpellier. Est -ce que est, moi j'espère que ça peut être un match déclic face à, à, à Montpellier où il avait brillé. Euh. Se dire qu'à 100%, on pourrait être premier. Je sais pas. Cabs, euh, premier, moi, je, je, je sais pas. Il faudrait que Paris euh, continue de faire des matchs pourris comme contre Nice l'autre jour. Euh, il faut que surtout que l'OM, euh, pour, euh, pour viser euh, très haut, il faut déjà avoir un gros collectif. Et il faut gagner les matchs face à Angers. Parce que si tu n'es pas capable de battre Angers, tu ne peux pas avoir d'ambition dans cette, dans cette ligue. Hein. Euh, salut à Phoenix, euh, Vince, toi tu dis, euh, Angers, vous avez eu de la chance que Farid euh, ne mette pas le deuxième dans la foulée. Oui, après, euh, euh, Angers n'a pas non plus été ultra dangereux sur ce match-là. Euh, je pense que c'est plus l'OM qui a déjoué. Angers a bien joué le coup tactiquement avec, euh, avec une bonne défense dans l'axe. Euh, L'OM s'est un peu tr trop entêté à vouloir jouer dans l'axe. Tout le monde a un peu forcé. Mais Angers n'a pas non plus eu pléthore d'occasions. Ce n'était pas, pas ouf non plus. Black Livia, tu dis si on est troisième en étant moyen, euh, ça veut dire que la Ligue 1 est pauvre. Ça veut peut-être aussi dire que tu as, as eu euh, beaucoup de d'efficacité, de de, de, c'est pas de la réussite, d'efficacité euh, sur les premiers matchs et que tu avais engrangé pas mal de points. Je pense que ça veut dire aussi ça. La Ligue 1 est pauvre. Je pense qu'il y a une partie de la Ligue 1 qui est clairement pauvre, que ce soit en, en, en termes d'argent pour de vrai et aussi en termes d'effectifs. Ça va de pair. Mais il y a quand même des équipes en haut de tableau qui sont intéressantes. Je pense que, quand même, Monaco, Lille, Lens, c'est intéressant. Reims, ça travaille, ça travaille bien. Nantes a fait un, un début de saison correct. Je les mets en dessous quand même. Mais non, je trouve qu'il y, y a vraiment deux. Deux, deux groupes cette année en ligue. Il y a vraiment un groupe d'équipes ambitieuses qui ont pu recruter et il y a un groupe d'équipes qui n'ont pas de moyens et qui, qui, qui bricolent. Euh, Cap, toi, tu dis Je pense qu'il y a des erreurs de casting. Bah, Vas-y, dis-moi qui sont tes erreurs de casting ça, ça peut être un, un débat intéressant. Euh, de Tudor, pourquoi tu parles de Tudor, euh, DRV Je ne sais pas de quoi tu parles. Scarf tu me dis exactement le problème qu'il y a c'est qu'à chaque fois euh, certains supporters manquent de patience il euh, faut laisser le jeu et le système s'installer, je suis d'accord avec toi il faut patienter pour autant euh, même si c'est normal que ça prenne du temps parce que tu as renouvelé l'effectif comme je disais profondément, que tu as un nouveau coach nouveau système etc un non match comme ça face à Angers ça même début de saison ou pas début de saison c'est pas normal euh, Angers, c'est les derniers de Ligue 1, ils, montent, ils viennent de Ligue 2, ils n'ont ils ont pas un effectif de fou, ils ont quelques joueurs un peu sympas, mais ça, ça reste quand même une équipe très très moyenne. Tu ne dois, euh, dois pas faire un partout face à Angers. Quoi. Tu dois les secouer, quoi. tu dois leur marcher dessus. Quoi. Et ça, même si ton collectif ne marche pas très bien, dans l'attitude, je trouve que ça a été insuffisant face à Angers. Euh, Winst, Winstor, toi, tu dis, euh, Wai, euh, c'est pas plus un, un arrangement d'agents avec une grosse somme, je, je, ne sais pas, je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Euh, non, a priori non, c'était un profil qui plaisait, et euh, Lance voulait s'en séparer, donc il euh, y a eu un arrangement. Talos, tu me dis, ne pas oublier que l'OM, euh, ce n'est pas Brest, Monaco ou euh, Rennes. Euh, ici, il y a beaucoup plus de pression et d'exigence. Difficile pour euh, certains joueurs d'avoir le mental et le niveau au top directement. Ça, c'est vrai. Et certains n'y arrivent jamais, d'ailleurs. Il euh, y a la pression, il euh, y a... Euh, la médiatisation qui va avec. Il euh, y a aussi l'adversité. Parce que quand tu joues à l'OM, les équipes en face, elles ne se comportent pas pareil. Euh, L'OM, c'est battre l'OM, ça reste toujours un, un exploit pour, pour, les, pour les adversaires. Et en Ligue 1, les mecs se mettent en sang face à l'OM. Donc, ça, c'est aussi plein de choses que les, les, les nouveaux joueurs doivent appréhender. Alors, Caps nous fait sa petite liste euh, des joueurs qui sont pas au niveau. Brassier. Brassier pour l'instant euh, n'a pas réussi son, son acclimatation. Garcia, je suis d'accord avec toi, il n'est pas au niveau. Mourillo, moi Mourillo je pense que c'est une un bonne doublure, mais que c'est pas plus que ça. Je vois euh, titulaire, c'est pour moi c'est un peu une anomalie. Cornelius, même chose. Je pense que ça peut être une bonne doublure, mais pas un titulaire. Wai, je, moi, je pense qu'il faut être patient, mais pour l'instant, il n'est il est pas, pas, pas au top. La dentaliste, en fait, pour moi, Garcia, je ne le garderai pas. Mais Brassier et Wai, je, je leur accorde encore du temps. Et Mourillo et Cornus, pour moi, c'est des bons remplaçants. Voilà, c'est des remplaçants. Et en tant que remplaçant, ça va. Par contre, titulaire, non. Uh, Cap se dit à quel moment on sera à 100% parce que là on est à 60%. Bah, il faut espérer qu'on soit à 100% face, le face au PSG. Voilà, il leur reste 3 semaines. Euh, rendez-vous le 27. Je serai au stade d'ailleurs. Euh, pour ceux qui vont au stade, euh, je vous fais déjà rendez-vous sur le parvis après le match pour la fan cam. Euh. Vince te dit euh, vivement euh, qu'on voit Merlin et qu'il retente Carboni avec euh, Greenwood que tu appelles Bois Vert petite dédicace à, à Villasouli et, et sa petite question en bois vert du coup euh... ouais Carboni je pense qu'il va lui falloir du temps Carboni et Coné euh, c'est deux joueurs qui, euh, qui euh, eux leur adaptation elle est compliquée par les blessures les deux en, ils en ont eu deux et euh, connaît encore blessé à la cheville Carboni, là, il revient il n'est pas encore à 100% mais il remonte en puissance euh, c'est vrai que ses entrées n'ont pas été tonitruantes on sent qu'il a du ballon par contre c'est vrai qu'il est un peu lent il est surtout on sent qu'il a du mal à, à se trouver avec ses coéquipiers donc ça, ça c'est la l'acclimatation euh... Scarf est d'accord avec Caps concernant euh... Ou et Brassier, c'est clairement les, les, les grosses... Euh... Euh, c'est les, les deux des, des, des grosses recrues qui, qui ont le plus de mal à s'adapter. Hein. On voit bien que Greenwood, même si là il est un peu dans le dur depuis deux matchs, euh, euh, a fait un très bon début de saison. Euh, Oybière, euh, c'est quand même solide. Euh, C'était deux plus grosses recrues. Maintenant, les, les deux recrues un peu frissons, connaît et Carboni, j'en parlais, ils sont embêtés ils sont par les blessures. Et c'est vrai que Wailly-Brassier, c'est décevant. Euh, c'est une réalité. Qui, tu me dis ton avis sur Carboni, sur ce qu'il a montré. Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir Oui, je pense qu'il y a des motifs d'espoir. Il est copain avec le ballon, déjà, ça c'est quand même un motif d'espoir. Après, c'est vrai qu'il paraît un peu lent, un peu pato, euh, il a du mal à se, à se placer. Euh, mais je pense que c'est dû au fait qu'il est, qu est raté un peu tout le début, euh, à cause de, de... Il a pris une béquille, après il s'est blessé avec l'Argentine. Euh, J'espère que là, la trêve va lui permettre de, de reprendre un peu de rythme physique et qu'il va revenir en pleine forme. Euh, voilà, ça doit être un, un facteur X un peu de ton effectif et pour l'instant on n'a pas pu euh, compter sur lui. Euh, Scar se dit ne pas oublier non plus Monaco, car à mon avis eux ils sont bien partis. C'est vrai Monaco fait un très bon début de saison. Après euh, Monaco il va, il va falloir aussi qu'ils arrivent à digérer euh, la Ligue des Champions, c'est 8 matchs cette saison. Euh, je pense qu'à un moment donné, ça va aussi euh, les, les atteindre mentalement et physiquement. Alors c'est agréable hein, de pouvoir euh, jouer la Ligue des Champions. Euh, moi je, je préfère être fatigué et, et pouvoir la jouer, hein, clairement. Hein. Mais je, je pense que ça, il va y avoir des points un peu lâchés de temps en temps euh, à cause de, de cette fatigue-là. Euh, je descends un petit peu les amis, là, j'ai pris un peu de retard sur, sur toutes vos questions. Si vous n'avez pas vu... Euh si j'ai pas lu votre question, n'hésitez pas à la, à la remettre. Il euh, y a Amedj, Amedj euh, qui me dit Moi, je veux Raw à la place de Wai, Luis Enrique avec le retour de Merlin, et ça sera très bien. Euh, C'est que Ro avait été pas mal euh, euh, en pointe. Il est remuant, hein, il met de la dynamite, et vu que le, le poste d'attaquant de pointe est un peu particulier sous des herbies, pourquoi pas C'est une option. Mais je le, moi, je le verrais bien titulaire à gauche aussi. Hein. Qui, tu me dis, euh, la dynamique lyonnaise actuelle aurait, aurait dû être marseillaise, tu ne trouves pas C'est vrai que au final, euh, cette victoire à l'arrache à 10 contre 11 face à Lyon, ça a été l'enflammade totale. Bon, c'est vrai que le, le scénario était génial, hein. moi je, je me suis régalé sur cette fin de match. Euh, finalement, Lyon, depuis, ça, lui a, ça, lui a, ça leur a mis une grosse claque et Sage euh, a vraiment changé son, son système. On a vu là qu'il est repassé avec Cherki Andy, c'est des vrais alliés, etc. Ça va beaucoup mieux pour Lyon. Et nous, euh, finalement, on s'est un peu enterrés après cette victoire. Euh, on a fait deux mauvais matchs. Euh, je pense que ouais, on s'est un peu vu euh, peut-être arriver en se disant euh, on a un gros mental, on arrive à gagner à, à 10 contre 11. Et on s'est peut-être un peu endormi. Oui, c'est vrai. Scar, tu rappelles que les équipes qui viennent au Vélodrome, elles jouent leur vie. C'est une réalité. Mais bon, pour autant, tu dois les écraser quand c'est des petites équipes comme Angers. Un nouveau balardi, euh, bah Clivia tu me demandes concernant Carboni, c'est pas pareil, c'est pas le même poste, c'est pas les mêmes boulettes, mais c'est vrai qu'il a du mal à s'adapter. Et encore une fois, je rappelle qu'il a été blessé deux fois. Je suis encore plus tolérant avec euh, Coné et, et, et Carboni qui n'ont pas vraiment débuté leur saison. Donc euh, déjà que je demande de la patience pour nos amis euh, Wai et Brassier, alors pour eux euh, encore plus. Scar se dit le coach avait justement euh, pas choisi euh, des joueurs avec du caractère d'être capable de jouer à l'OM. Si, ben, on a bien vu qu'Oybière, c'est le cas. Euh, Greenwood avait fait plutôt un dé bon début de saison, là il force un peu, mais je ne trouve pas non plus euh, dans l'esprit, euh, j'ai abandonné. Euh, je pense qu'il y a quand même du caractère dans cette équipe. Je pense que Rouli, euh, Balerdi, Oybière, euh, ça a du caractère. Mopé, bah, Mopé il faut qu'il gère son caractère un peu. Mais euh, non, non, je pense qu'il y a quand même du caractère dans cette équipe. Klos nous aurait fait énormément de bien. Bah, euh, footballistiquement, je suis plutôt d'accord avec toi, Bruce. Euh, Klos, euh, sur le côté droit, euh, c'est vrai qu'en plus, il nous manque vraiment à la terre, à le droit, un latéral peu, droit, un peu, un peu meilleur techniquement. Euh, Klos nous aurait fait du bien. Maintenant, euh, Klos, il n'est pas parti pour des raisons euh, sportives. Il est plus parti pour des, des questions de, de comportement, de, de contrat, etc. Le club qui a fourni le plus de joueurs dans la sélection argentine. <laughs> Ça, c'est une belle stat, quitte. Euh, DSK, tu te dis Carboni, s'il ne montre rien euh, en entrant, il ne doit plus entrer aussi souvent. Jusqu'à ce qu'il saisisse sa chance sur euh, de moins en moins de temps de jeu. Il faut être dur, marre de ses starlettes. Après, là, je trouve que tu es dur, DSK, parce que Carboni, ce n'est pas une starlet. Euh Carboni, c'est un jeune joueur de 19 ans, il ne fait pas sa starlette, c'est juste que, comme je te le rappelle, il a été blessé deux fois et qu'il n'est pas à 100% physiquement, donc euh, soit un peu plus patient avec lui, je pense. Là, c'est pas, pas un mec qui fait sa starlette, Carboni. Euh, ne serait-ce pas plus intéressant de jouer à 3 derrière pour permettre aux latéraux de monter euh, et proposer plus de solutions en attaque c'est une possibilité. Après, euh, ton effectif, il est un peu court en termes de défenseurs centraux. D'autant que Mbemba, a priori, il ne sera jamais réintégré. Donc, euh, voilà, c'est la question de kit d'ailleurs. Euh, comment on peut finir le, le Moi, Je pense que ça va se finir en licenciement ou un truc comme ça. Le joueur a, a saisi la commission juridique de la LFP pour euh, être réintégré au groupe pro, mais vu que ça s'est accroché avec le, le joueur, l'OM ne veut plus en entendre parler. Je pense, je, je pense que là, le, le cas est tranché et que, et que notre ami, euh, notre, notre ami euh, Mbemba ne, ne portera plus jamais le maillot de l'OM. Après, voilà, je peux me tromper, hein, mais c'est la tendance. Euh, L'option d'achat de Carboni, ouais, c'est 36 millions d'euros, je crois. Après, c'est un montage très particulier parce que... Parce que l'Inter peut, peut, peut bloquer cette option d'achat en payant 4 millions d'euros, sachant que l'OM paye, paye 1 million d'euros pour le prêt. Donc en fait, si l'OM veut lever l'option d'achat et que l'Inter veut quand même garder le joueur, euh, l'OM prendra 3 millions d'euros dans l'affaire. Maintenant, euh, Valentin Carboni, euh, si il n'arrive pas à s'imposer à l'OM, l'OM ne lèvera pas l'option d'achat et il retournera à l'Inter. C'est un peu ça euh, le truc. C'est pas une option d'achat obligatoire. Euh... Caps, tu me dis euh, Est-ce que le fait d'avoir mis Mbemba Veretout euh, au loft, ce n'était pas une erreur Mais écoute, euh, je pense que le point commun de ces deux joueurs, c'est d'avoir des gros contrats et plus qu'un an de contrat. Euh, Veretout a trouvé preneur à Lyon. Moi, je pense que Veretout, c'est un bon joueur de. C'est un bon joueur, mais qui, euh, qui avait un statut au club qui n'était pas au niveau de, de son niveau de jeu c'était insuffisant moi bon, je trouve que c'est un, un, bon, un joueur qui a, qui a du ballon qui fait des efforts qui est carré qui c'est un joueur sur lequel tu peux compter mais euh, il avait un salaire Ligue des Champions à l'OM. Et ça, c'est pas possible euh, de garder un joueur un salaire Ligue des Champions à un an de la fin de son contrat. Il n'a pas voulu aller au Qatar euh, parce que c'était une méga offre et c'est tout à fait son droit. Euh, c'est lui qui décide où il y joue quand même. Euh, maintenant, il est parti à Lyon et il a clairement baissé son salaire pour aller à Lyon. Je pense que là, maintenant, il touche un salaire qui est plus en adéquation avec son niveau. Mbemba, c'est plus compliqué. Mbemba, il voulait partir libre. Il voulait prendre beaucoup d'argent en allant. Euh, en Arabie Saoudite, ce qu'il va peut-être réussir à faire. Euh, ça, c'est crispé avec les dirigeants. A priori, il y a eu des comportements euh, pas super. Maintenant, voilà, c'est des choix. Euh, DSK, tu dis j'ai le syndrome Joachim Correa. Ah euh, ouais, c'était quand même le, le best. Hein. C'est difficile de faire pire que ça. Euh, salut euh, Morad, bienvenue. Bienvenue pour la fin, parce qu'il est déjà 16h09 et je prends encore quelques questions. Il reste 5 minutes. Et après, je vous laisse tranquille. Alors, oui, euh, j'en profite là, petit temps mort, euh, pour vous parler de la semaine, parce qu'on est en trêve internationale. Donc, euh, qui dit trêve internationale, euh, moins d'actu. Euh, là, on a un petit peu évoqué euh, les rumeurs, euh, pogba, etc. Euh, on fera quand même euh, un petit débat fac, mais un peu plus un peu spécial jeudi avec Ryan. On sera à deux, comme à la bonne époque. Donc on, on vous donne quand même un petit rendez-vous. On n'a pas encore fixé l'heure, mais je pense que ce sera un peu dans l'après-midi aussi. Euh, on fera un petit débat fac avec Ryan, euh, avec quelques thèmes, et puis bien sûr vos, vos questions comme d'habitude. Donc euh, je vous tiens au courant pour l'heure, pour mais je pense que ce sera 15 ou 16 heures, un truc comme ça. Euh, Fred, tu me dis l'affaire... Euh, la Sanadiara, ça pourrait euh, impacter le mercato hivernal. Alors, je ne sais pas si ça va impacter tout de suite le mercato, mais à plus long terme, ça peut être euh, un, peu, un peu incroyable parce que, comme disait Ben l'autre jour, mais cest dire qu'il y aura plus de mercato en fait. Si les joueurs ils peuvent se libérer de leur contrat et signer où ils veulent, euh, ça va devenir un peu comme la NBA euh, avec des, euh, des transferts. Alors, je ne sais pas comment ils vont, ils vont réussir à faire ça. On m'a parlé aussi de la possibilité. Euh, ce n'est pas le cas en France, mais dans d'autres pays, tu as des clauses libératoires et que du coup, si le, club, euh, si le joueur veut quitter le club, il peut casser son contrat quand il veut, mais il faut qu'il paye la clause. Euh, voilà. Alors Je ne sais pas comment ça va finir, mais en tout cas, oui, ça pourrait révolutionner un petit peu ces périodes de mercato qui, euh, on l'a vu un peu plus tôt, je ne sais plus qui c'est qui disait dans le chat, euh, on ne parle que de mercato, euh, même quand ce n'est pas le mercato. Et c'est vrai que je trouve que ça devient un peu un problème euh, de toujours penser au recrutement. C'est vrai que c'est plus intéressant. Enfin, personnellement, je préfère quand même parler terrain et tactique. Et c'est vrai que tactiquement, euh, là, euh, notre ami Desherby il dispose quand même d'un effectif euh, correct. Euh, il peut faire mieux avec cet effectif, en tout cas. Euh, Caps, tu dis, euh, il n'aurait pas pu faire avec euh, ça, avec Marseille. Je parle de baisser son salaire, tu parles de Veretout, parce que je trouve que c'est l'un des joueurs qui mouillait le maillot. Ouais, ouais, clairement, euh, euh, Veretout, moi, dans, le, dans la rotation, ça ne m'aurait pas dérangé euh, avec un salaire moindre. Après, euh, le défaut de Veretout, c'est que à la 60e, il est cramé. Quoi. Euh, il mouille le maillot, mais il n'arrive pas à faire des matchs entiers ou alors il finit perclus de crampes. Euh, c'est un joueur qui, je trouve, a des limites physiques. Il devient tout rouge, il ne court pas très vite. C'est un mec qui... Qui se bat, qui a une bonne technique, c'est un bon joueur, c'est un bon joueur de Ligue 1, mais je trouve que c'est pas, pas le niveau qu'on nous a vendu. Euh, Morat, toi, tu dis, je comprends pas le recrutement de Carboni. Alors, on en a parlé déjà tout à l'heure, Carboni, c'est quand même lié, euh, pour l'instant, on ne peut pas le juger, il a très peu joué, et en plus, il a été blessé deux fois. Donc, si tu veux, il n'a pas du tout le rythme, il n'est pas à 100% physiquement, donc tu ne peux pas encore juger son niveau. Mais c'est un jeune joueur avec du talent euh, qui exposera ou pas à l'OM, en tout cas, on en est là. Quoi. Euh, DSK, tu dis bref avec ce 11, euh, ne pas être euh, dans les 3 serait une saison ratée, les deux autres jouant la Ligue des Champions. Je suis d'accord avec toi. tu es obligé d'être dans les 3 premiers à la fin de la saison, sinon c'est une saison clairement ratée. Je suis euh, je valide. Je valide ça. Euh... Comme Neymar avec son arrivée au PSG, Voilà. Ça, on parlait d'éventuellement de, de les histoires de clauses. Après, ça, c'est des pistes. Hein. Moi, je, je ne sais pas comment ça va se terminer légalement. Euh, je pense que ça va être étudié par beaucoup d'avocats. Il y a beaucoup de clubs qui doivent s'inquiéter hein, parce qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui vivent avec le, le trading. Ça peut changer beaucoup de choses. Euh, Mora, tu dis « Je suis d'accord, mais là, c'est un prêt ». J'aurais compris si c'était un achat, mais là, incompréhensible carboni, vraiment. En fait, euh, a priori, Deserby le voulait vraiment, vraiment, et l'Inter ne voulait pas le, le vendre. Donc la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est ça. C'est pas une solution satisfaisante pour l'OM, mais c'était le seul moyen de l'avoir cette saison. Pour l'instant, il n'a pas vraiment débuté sa saison. On verra euh, comment ça va se passer euh, dans les semaines à venir. Qui okay, tu me dis, Mopé, euh, j'attends juste qu'il me fasse changer d'avis. Bah, Mopé, je pense qu'il peut faire du bien. Après, euh, il n'a pas été recruté pour être titulaire. Hein. Euh, Des a été clair là-dessus. C'est la doublure de Wai Maintenant, euh, Mopé, euh, il, doit pas, euh, il doit se concentrer euh, sur le foot et pas aller trop loin dans, dans les fautes. C'est vrai que le dernier match, il, a un peu, euh, il était un, un peu surexcité. Il, on ne l'a pas trop vu quoi. finalement. Il a, on a l'a vu que c'est deux cartons. Allez. Dernière question euh, ou petit commentaire, Danidan, tu dis carbonie, c'est un deal qui ne sera jamais validé, surtout avec le niveau actuel. Oui, c'est clair que si euh, il n'explose pas, ça sera jamais validé. C'est clair et net. Alors, on est d'accord là-dessus. Allez, j'ai envie de vous dire merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce petit débat fac du, du mardi. Euh, je vous ai donné rendez-vous déjà jeudi. Jeudi, je pense, 15h30, pareil. Ça sera à peu près dans ces eaux-là. On fera un débat fac avec Ryan. Euh, donc euh, soyez au rendez-vous. On vous le communiquera à ce moment-là. Merci encore une fois. Passez une bonne semaine. Désolé, c'est la trêve internationale. J'espère que vous la vivez mieux que moi. Pour moi, c'est euh, c'est pas mes moments préférés, euh, on va dire, dans, dans la saison. Allez, euh, je vous dis à très bientôt, euh, prenez soin de vous et, euh... et salut, ciao ciao.